Now the deal has been dirty since dirty began. I'm not asking for mercy, no, not from a man. You just don't ask for mercy while you're still on the stand. Est-ce que vous vous considérez un poète ou un chanteur? Je ne me suis jamais considéré comme un poète ni comme un chanteur. Je crois que le titre de poète doit être attribué par le public après étude des textes de l'œuvre, et si seulement l'œuvre résiste à l'épreuve du temps. En ce qui concerne le chanteur, je n'ai jamais prétendu en être un, je n'ai pas beaucoup de voix, j'ai un registre limité, mais cela suffit pour exprimer les quelque chose que j'ai à dire. Votre heure de gloire, c'était pendant les années 60, et le monde a beaucoup changé depuis. Est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup changé? Je n'ai jamais cru que mon heure de gloire était limitée aux années 60. J'étais écrivain longtemps avant de chanter, et il y a eu un moment où mon œuvre a connu une certaine popularité, mais ce fait n'est pas déterminant pour le sens de cette œuvre. Vos chansons sont parfois très très tristes. Est-ce que vous êtes une personne triste? Mes amis pensent que je suis très drôle. Non, je ne crois pas. Ma mère était russe. J'en ai hérité cette mélancolie voluptueuse. Je suis venu unifier l'Europe avec une chanson mélancolique. Done lots of time before, well, but now I know why. You can turn on a dime, but on a dollar you die. Now this will never make sense to the fat and the lame. Votre dernier disque qui s'appelle Various Positions est un peu country. C'est nouveau pour vous de faire du country? Non, c'est pas du tout nouveau. J'ai commencé ma carrière dans un groupe, une équipe country western quand j'avais 16 ans. J'ai joué dans un groupe country western. Et c'est une espèce de musique que j'adore. Un retour aux sources? Oui, c'est ça. Dites-moi, ça fait 20 ans maintenant que vous chantez. Oui. À peu près. Que pensez-vous de la musique aujourd'hui? Parce que c'est tellement différent, c'est le disco, c'est de la musique électronique, et c'est vraiment l'antithèse de ce que vous faites. J'ai toujours pensé qu'il y a, comme on dit, du bon vin dans chaque génération. Il y a toujours un homme ou une femme susceptible de se distinguer avec une bonne chanson, avec quelque chose à dire qui va tout changer autour de lui. Je me sens assez bien, je me sens assez bien dans la musique. La vie en tournée est réglée très minutieusement et l'on n'a plus besoin d'improviser. You no longer have to improvise. And you
On pense au jour du concert, car on sait que c'est là que l'on doit être. Si vous pouvez tout donner, vous vous sentez bien, libre, de valeur, en plein milieu d'une bonne chanson. Merci, Leonard Cohen. Thanks a lot. Thank you for coming down.